Salut à tous les amis, c'est le Fermier Fou. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et c'est le début d'une nouvelle série. Alors, donc du coup, je vais vous parler en même temps qu'on avance hein, parce qu'il y a beaucoup de modes actuellement. On est aux alentours de 120 modes. Donc, on débute une nouvelle série sur le cirque Imagine. Alors, vous connaissez déjà beaucoup de modes en mode Pinder. Là, cette fois-ci, tout a été retexturé par moi-même pour faire. Pardon. Pour faire cette série-là, je tiens à préciser que les mods sont bien sûr privés, qu'il n'y aura aucun DL, que ce soit sur ma page Facebook, sur ma page Discord ou alors en dessous de la vidéo. Je tiens aussi à remercier tous les modeurs qui ont participé pour toutes les créations des mods. Et etc. Donc je tiens à remercier Philou Circus ainsi que Quentin pour les packs Circus Imagine. Donc tout ce qui est camion, donc les petits Renault Magnum là. Il y a le chapiteau. Bah tout ce que j'ai présenté sur la vidéo précédente. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier également Tristan pour ses caravanes. Et c'est tout. Ah si, aussi SebFS. Pour ces caravanes également, il y aura aussi d'autres modes qui vont arriver hein, prochainement. Mais voilà. Donc là, sachez qu'on est aux alentours de 120 modes actuellement activés, 116 exactement hein, si je me trompe pas. Hop. Et donc du coup, sans plus tarder, hein, nous allons commencer. Donc du coup, nous allons mettre le cirque sur la place juste à côté. Donc nous allons partir avec le véhicule du zoo. Donc vous allez voir qu'il y a alors. C'est des retextures pour faire les séries. Il y a encore quelques retouches à faire. C'est pas encore ça, hein. Il y a encore quelques retouches à faire. Mais voilà, sachez que je suis déjà content de moi d'avoir pu faire ces retextures magnifiques. Donc désolé, hein. Donc du coup s'il y a des lags, mais il risque d'en avoir énormément. Hein. C'est parce que donc du coup je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, suite aux nombreuses présences de mods, et ben en fait, Farming n'est pas habitué à voir ces textures en fait. Donc du coup, que vous ayez une RX 3080 ou une GTX 1080, en fait, ça ne changera rien. Voilà, en fait, il y aura toujours quelques lags. Hop, donc vous avez bien sûr des vidéos, des mods que vous connaissez déjà. Hein. Après, il y en a quelques-uns que vous connaissez pas. Comme ce camion, hein, je crois pas que vous l'avez vu. Donc après voilà, après vous les connaissez tous parce que vous les avez vus dans la série Le Cirque Pinder s'installe. Elle va bientôt se finir hein, cette série là. Hein. Tout est déjà prêt pour relancer les épisodes. Il y a encore 3 épisodes à sortir. Il y a encore l'arrivée de la restauration. L'installation de la. Il y en a même plus que 3. Hein. Je sais que c'est une série qui vous a beaucoup plu et qu'elle vous manque hein, parce qu'on est déjà venu me voir plein de fois en privé. Pour la relancer. Donc vous inquiétez pas, elle va bientôt être relancée. Donc ça ici, on va juste déposer les toilettes. Alors attendez. Voilà, ok. Donc là, nous ici, on va juste déposer les toilettes parce que sur le terrain d'à côté, là, c'est tout ce qui va servir pour les caravanes. Donc tout va aller sur le terrain d'à côté. Donc bien sûr, la grande route des Champs-Élysées sera fermée hein, pour le passage des comment on appelle ça? Ah, des personnes qui travaillent aussi, donc les clowns, jongleurs, toutes les conneries. Ok, super. Le camion veut déjà pas monter. Voilà. Tu vois quand tu veux, pépère. Hop. Et donc du coup, nous allons tout installer ici. Hop, on va faire une demi-tour. Hop, voilà. Donc du coup, l'installation va se faire en. Je sais pas si je la fais en deux parties ou en une partie. Parce qu'il y a énormément de choses, hein, on va pas se le cacher. Je sais pas si je peux passer par là. C'est risqué quand même. Il y a énormément de choses du coup, parce qu'il y a la partie membres, il y a la partie chapiteau et toutes les autres choses. Donc il y a énormément de choses. Donc voilà, donc là, donc nous avons une création de Filou et ben que vous avez déjà pu voir dans ma vidéo. Hein.
On a une création de Filou ainsi que de Quentin. Et donc du coup là je vous ai dit qu'il y avait à peu près 120 modes activés. Et bien sûr donc du coup après il va encore en avoir plus. Pourquoi? Parce que en fait comme j'ai fait dans tous mes cirques à chaque fois, il va y avoir la restauration qui va arriver et toute autre chose. Ah merde. Ok, ben j'ai fait un accident. J'ai fait un accident, donc bon. Donc voilà. Donc après voilà, comme je vous ai dit, désolé hein, s'il y a des lags. J'essaie vraiment de faire au mieux, hein, mais là je peux pas faire au mieux. Là c'est pas mon PC, c'est le jeu. Hein. J'ai carrément changé de logiciel pour tourner pour les lags parce qu'il y en avait énormément. Avec OBS, donc du coup maintenant je suis avec ma propre carte graphique. Là c'est quel côté? Ok non c'est bon. Cherchez juste c'est de quel côté. Hop. Donc je remercie aussi Ricospé là hein, parce que bon les modes il y a 3 modes à lui. 4. 4 modes à lui. Donc du coup je le remercie énormément. Donc maintenant faut que je me mette à l'idée où va être placé. Parce que donc du coup faut que l'entrée. Ouais donc là on est bon. Donc faut que je la mette dans le sens. Allez. Hop. Hop. Sachant qu'on va le mettre un peu dans le fond exprès pour ça. Là c'est bien, c'est que donc du coup comparé à toutes les zones qu'on a pu faire du cirque, en fait tout est clos. Genre c'est un endroit fermé. Donc du coup bah c'est ça qui est bien. Hop. Ah j'ai oublié qu'il y avait ça derrière. Bah on va caser ça là-bas, hein, attendez. Bon c'est pas grave, de toute façon on va caser ça là, parce que dans tous les cas ça va reculer. Hop, ensuite là nous partons avec le groupe électrogène. Donc là c'est pareil, c'est une grosse modification. De base, il y a deux gros groupes électrogènes et un petit. Là on a quatre gros groupes électrogènes et un grand. Et donc du coup pourquoi autant? Parce que donc du coup le cirque est quand même plus gros. Donc voilà c'est pareil, on a trois petits trucs à essence là et on a donc du coup 10 bidons d'essence en plus. 8 toujours plus avec moi. Voilà, mais au moins on tombera pas en panne. Hop. Donc ça va toujours à côté du chapiteau. Tout le temps. Parce que c'est ce qui alimente le chapiteau. Hein. Hop. Donc cirque imagine, donc très beau cirque. Hein, excusez-moi, j'ai un petit problème. Donc du coup, voilà. Donc là nous avons installé le groupe électrogène. Hop, donc j'ai essayé de le faire passer là, mais ça a galéré. Ah bah non, en fait là c'est bon. Hop, voilà. De toute façon le chapiteau après il va être reculé. Là ici nous avons la caisse du cirque. Donc celle-ci, donc du coup comme je vous ai dit, c'est beaucoup de retexture. On va avoir notre propre caisse. Hein, c'est parce que là pour faire la série j'en ai besoin quand même d'une. Donc voilà. Donc hop. Donc nous avons aussi 40 barrières installées dans les dans des remorques hein, qui vont arriver après. Hop. Du coup la caisse, bon, on va l'installer. De toute façon là on installe à peu près. Hein. Hop. Ça, on va l'installer de ce côté-là comme ça. Hop. Comme ça les gens dès qu'ils sortent. Voilà. Vous avez compris. Donc là, du coup, nous avons les éléphants, les fameux. Avec les chevaux qui suivent derrière. Non. Quand c'est des voitures ou quoi que ce soit, je vais passer par là. Mais quand c'est ça, on peut pas passer. Donc, bien sûr, après, vous verrez aussi sûrement les modes. Donc, du coup, sur la chaîne du Cirque Imagine. Donc, le lien est bien sûr dans la description. Hein, tous les liens. Possible que ce soit pour les modeurs ou quoi que ce soit, tout est dans la description. Vous avez tout, tout, tout. Donc du coup là, vous verrez sûrement ces modes-là aussi dans les vidéos du Cirque Imagine, parce que bon, c'est quand même des créations qui sont basées sur eux. Donc du coup, sachant que je suis en partenariat aussi avec eux, c'est normal que je leur donne à eux les liens, parce que c'est eux les créateurs de base du Cirque Imagine.
Et donc, du coup, ne commencez pas à venir dans les commentaires en disant ouais, mais c'est injuste, tu les donnes à eux, pas à nous, nanani, nanana. Bah écoutez, eux, ils ont fait énormément de mode. Ils ont fait énormément de mode, ils ont fait de belles créations. Donc, c'est normal que je donne des retextures à eux. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, vous voulez avoir ça, vous voulez faire quoi avec ça? Y a pas de... Le chapiteau, il est payant. Le chapiteau, il est payant. La quasi-totalité des modes, elle est payante. Bah, la quasi-totalité des modes principales. Donc, vous allez avoir ça, vous allez faire quoi avec? Bah, rien. Parce que vous pouvez juste vous balader ou alors faire une expo. Voilà. C'est tout, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est ça. Hop. Donc, je remercie aussi. Alors, je remercie la personne. Je vais chercher ça tout de suite. Je remercie aussi la personne qui m'a aidé dans certaines retextures. C'est parce que je dois vérifier ça à chaque fois. Hein. Je remercie. Funride. Voilà, chercher son nom. Je remercie Funride pour m'avoir aidé dans quelques retextures parce que il y a un moment j'étais perdu. Il y en avait beaucoup trop. Donc j'étais perdu. Et bah il m'a aidé, il m'a énormément aidé, donc je le remercie. Hop. Donc il y a énormément hein, qu'on voit. Hein. De toute façon, vous avez vu, il fait tout l'allée des Champs-Élysées. Hein. Il fait tout l'allée des Champs-Élysées, hein, voilà. Donc ça, du coup, école du cirque, bah ça va dans la zone privée, hein, parce que c'est l'école du cirque pour les enfants du cirque. Hein. Je regarde en même temps si j'ai pas ramené d'autres choses qui ne sont pas concernées dans ça. Normalement, l'entrée, c'est pas celle-là, hein, mais moi, j'emprunte celle-là. Donc, école du cirque, qui m'a causé beaucoup de problèmes, hein. Elle m'a causé beaucoup de problèmes dans les retextures, donc ça va, là j'ai réussi à faire quelque chose de potable, mais vous aurez vu avant, c'était pas du tout ça. Donc voilà, donc je remercie Funride pour m'avoir aidé, parce qu'en fait, de base, ces remorques-là, ce sont des remorques jaunes, qui sont basées sur le cirque, donc du coup, Pinder. Et donc du coup, j'arrivais pas à changer la couleur jaune, parce que dans tous les dossiers de texture ou quoi que ce soit, il n'y avait rien. Et en fait, il m'a aidé clairement en 2 minutes. Hein, ok. Pourquoi j'ai déplié, j'ai pas fait exprès. Mais c'est rien, c'est la rue. Hop, là donc du coup nous ramenons les éléphants qui sont là-dedans. Et donc du coup voilà, donc je le remercie pour m'avoir aidé à résoudre ce problème. Alors, finalement on pourra faire l'arrivée en un épisode. Hein. Désolé pour le bruit de Discord que vous avez entendu. Mais voilà, donc on pourra faire en un épisode l'arrivée. Ouais, parce que bon je pensais que ça allait prendre plus longtemps. Bon après c'est parce que là on descend, là c'est pas tout, encore tout ce qui est en haut donc... Donc voilà. Ensuite, donc du coup là ça va. Donc après je crois tout ce qui est après. Ah non en fait, j'allais dire après tout ce qui est après ça va dans la zone perso mais non. Non non non. Hop là on va passer là. Hein. On va passer juste ici. Hop, voilà, parce que ça, donc du coup, c'est tout ce qui est personnel. Oh, donc ça, c'est des chambres, hein. Faut pas que je me trompe. Donc il y a un côté où il y aura tout, et à partir de ce côté-là, c'est où il y aura les chambres. De toute façon, on va faire un cercle. Ok, donc là, ici, nous avons les tigres. Non, donc voilà, donc c'est pareil. Donc au niveau, bah donc du coup de la bâche, non, j'ai pas fait appel à quelqu'un ou quoi que ce soit hein, pour les décors. C'est vraiment moi qui ai tout fait. Voilà, non, c'est pas sur ça. Dans les lions, je vais même rajouter un tigre ici. Voilà, parce que bon, il y avait sa place ici. Voilà, donc voilà. Mais je trouve vraiment ça ultra bien fait. Je trouve mes créations, bah mes retextures plutôt, ultra bien fait. Parce que pour rappel, ça c'est Kevin Julien CP qui a fait les modes. Hein. Donc voilà. Et donc du coup, je les partagerai pas parce que déjà, je sais même pas s'il me donnera l'accord. Et puis, même s'il donnerait l'accord, ça vous servirait à rien. Hein. On va pas se le mentir, mais si vous avez pas le chapiteau quoi que ce soit, ça vous servirait littéralement à rien.
Hop, donc on va mettre tous les camions là comme ça. Sans tout ce qui est animaux, on va les mettre là. Hein. Hop, et là donc du coup c'est les lions. Voilà. Et donc du coup regardez dans les lions, il y en a un qui est juste là. Bah une lionne plutôt. Donc elle par contre que j'ai pas fixée sur la planche. Donc voilà. Donc on la laissera comme elle est. Parce que fallait que je fasse un truc pour la fixer sur la planche et j'ai complètement zappé de le faire. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que bon, on roule toujours comme ça avec la remorque. Donc c'est très rare qu'elle soit pliée. Parce que si elle est pliée, ça fait pas réaliste. Hop. Mettons le camion ici. Ensuite, là, donc du coup, là, ici, ça va être les barrières. Hop, donc, ouais, c'est ça. Donc, ici, il y a 20 barrières. Voilà, et dans l'autre remorque, il y a 20 barrières aussi. C'est parce que pour utiliser, donc, du coup, les deux remorques, pour éviter d'en laisser une tout seul, j'ai décidé de mettre. J'ai décidé d'en mettre de l'eau dans deux remorques. Hop. C'est la première fois que je crois qu'il y a un cirque qui s'installe à côté des Champs-Élysées. C'est jamais arrivé, même en France, hein, je crois. C'est jamais arrivé qu'il y ait un cirque qui s'installe à côté des Champs-Élysées. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de lag. Hein. Ça lag énormément. Donc ça, on peut mettre là, ça là. On peut mettre là. Du coup, ça va être pareil pour ça. Et donc, ensuite, normalement, ça va être les. Ah non, il reste ça. Ouais, il reste un truc devant. Mais je crois que ça vient après les remorques. Ah non, il reste deux trucs de devant. Ah oui, ouais, ok. Ouais, c'est bon, je vois c'est quoi. Hop. Donc, ça, c'est pareil. De toute façon, tout à partir de là, tout va rentrer là. Hein. De toute façon, après, il reste plus grand-chose, mais voilà. Ça rentrera là et ça ressortira par l'entrée principale. Donc voilà. Mais après, si Kevin Julien passe sur cette vidéo et qu'il me donne l'accord, ok, mais dans tous les cas, ça vous servira à rien. Parce que si vous n'avez pas. Après, ça sera sûrement en dépend de. Si Kevin Julien me donne l'accord, après, les personnes qui rachèteront des packs. Ok, là il y a une caravane. Les personnes qui achèteront des packs, en fait, auront ça gratuitement. Je pense que ça fonctionnera comme ça. Parce que bon. Même si de base c'est des mods gratuits, donc on peut pas les vendre. Donc voilà. Donc ça, c'est une remorque de Quentin et Filou Circus. Circus, pardon. Hop, et donc du coup, elle va atterrir là. Bah, de toute façon, c'est celle que je vous ai présentée dans la vidéo. Donc on a 4 remorques comme ça. On a 4 remorques à CBFS, on a 6 remorques de deux modèles différents, donc 3 chacune. Du modèle à Tristan, pardon. Cherchez son nom. Donc sachez pour tout partenariat, hein, comme j'ai pu dire, pour tout partenariat, je reste ouvert, sachant que maintenant. Pour plus de confiance et un papier qui est fait directement lors d'un appel lors du partenariat. Donc voilà. Donc le papier a été mis en place par Philo Circus et Quentin. Bah, a été mis en place par moi, mais a été utilisé pour la première fois par Philo Circus et Quentin. Donc du coup, voilà. C'est pour plus de confiance et de sérénité, parce que bon. Voilà quoi, c'est pas que je peins, hein, mais souvent quand c'est des mods qui ont coûté cher. Ok, on est dans le camion. Quand c'est des mods qui ont coûté cher ou quoi que ce soit, si on veut faire un partenariat, faut toujours avoir confiance. Donc voilà. Moi après, je reste ouvert pour toute proposition. Hein, mais... Donc, vous avez vu la vidéo sur Facebook, hein, franchement, les Champs-Élysées étaient blindés. Et je vous remercie au fait, finalement, pour les 300. Pardon. Pour les 300 personnes. Présente sur la page Facebook. Je vous remercie énormément. Je me sens bourre, on serait pas arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Hop, pardon, excusez-moi pour le bruit que vous avez eu dans le micro, hein. J'ai tapé dedans sans faire exprès. Hop.
Donc du coup là on en arrive aux caravanes et après là-bas il reste ouais. Donc ça sera en dernier par contre. Ah, je crois, je suis pas sûr. Donc ça, donc du coup c'est une remorque à Tristan. Et donc du coup je crois qu'elle est meublée, hein. Ouais, voilà, elle est bien meublée. De toute façon voilà. Il y a cafetière et toutes les conneries, donc voilà. Donc, franchement c'est ultra bien fait. J'ai rien à dire sur ça. Après sûrement de trop de textures qui vont arriver, hein. Ça je peux vous le mentir. Et sûrement d'être aux textures qui vont spawn comme ça sur la page sur pendant la série. Hop. De toute façon là pour l'instant je l'ai tout sur semi parce qu'il y a pas mal d'installations, hein, vous allez vous comprendre. C'est que tous les remorques à Tristan, tout fonctionne sur Simple ici. Donc genre tout, tout, tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, tout. Hop. Désolé si j'écrase les gens, mais vous n'avez qu'à pas être là. Ah, mais il va monter. Hop. Voilà, en fait, voilà. Genre, si j'active pas, en fait, tout fonctionne avec Simple ici. Donc, genre, si je détache et que j'oublie, ben. La remorque coule là. Hop, donc ensuite nous avons les remorques à CBFS, hein, qui sont aussi en Simple ici. Bon, en fait tout est un peu sur Simple ici, hein, finalement. Toutes les caravanes qu'on va utiliser là, ils vont tous être sur Simple ici. Donc c'est ça qui est bien. Hop. Du coup, je pense que je vais vous faire un accéléré de la suite là pour les caravanes parce que bon, ça va être un très très long. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants.
amis, bon alors, je vois que ça prend énormément de temps de placer toutes les remorques. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais déposer la dernière remorque et les trois remorques, je vais bien les mettre plus tard. C'est les caravanes, pardon. Je vais bien les remettre plus tard parce que en fait, ça prend énormément de temps de tout placer. Voilà, déjà, il y a des collisions où ils spawnent de nulle part. On va regarder aller où. Voilà, il y a des collisions, ils sont invisibles, mais ils sont là, quoi. Bon, enfin bref. Donc voilà, en fait c'est très long de tout placer, à ce que je vois vu qu'il y avait énormément de remorques. Donc ce qu'on fait les amis, c'est que dans le prochain épisode, bon, on va faire l'installation, tout sera bien installé. Donc voilà, donc c'est tout pour moi, j'espère que le premier épisode de la série vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Je remercie encore les modeurs ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Hein. Encore merci à Quentin et Philou pour leur confiance, pour le partenariat. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode. C'était le fermier fou. Ciao! Tonight I'm gonna party like my